pause, l'été arrêté, je remets le live, il est en pause. Là, je suis obligé de le mettre sur pause et de reprendre pour que ça dépose. Qu'est-ce que c'est que ce beat? Le mixeur. En direct. Très étrange tout ça. Bon, bah apparemment. C'est ça. Ça a l'air de marcher, mais c'est assez étrange. Pourquoi le truc était en pause? J'en ai aucune idée. Bon, on va continuer à jouer. Venez de tuer le gros boss. Donc on a récupéré son œil, on va pouvoir ouvrir la porte maintenant, j'imagine. Donc nous sommes un jour plus tard en fait. Par où il faut passer? Est-ce qu'il faut aller là? Ouais, on dirait. Et du coup, la porte, elle était là. Donc on va mettre l'œil de monsieur. C'est étrange parce que le compteur en plus du direct est à 88 minutes. Ouais, ça a bugué. Ça a bugué. On était caché dans le recoin. Est-ce qu'il fallait repartir? Attendez. Parce que là, bon, on peut repartir pour le moment, mais j'imagine qu'une fois qu'il y aura le camion, on pourra plus repartir. Non, c'est trop simple, évidemment. Qu'est-ce qu'il faut foncer? Il va y avoir un endroit où on peut passer ou... bon, ils sont gentils, ils nous font reprendre d'ici, donc... ils se sont dit, bon, ça va être un passage chiant, donc... on va être gentils. Bon, bah, on va essayer de partir. Ah, faut le tuer peut-être. Mais c'est un super jeu, dis donc. Ok. Bon, j'imagine qu'on devait peut-être pouvoir le faire avec autre chose, mais... au moins, là, le lance-roquette nous aura servi à quelque chose.
du monde là. C'est bon? C'est bon. Putain, il drop des plantes maintenant. Plusieurs plantes. C'est énorme. Par contre, du coup, je ne vois pas du tout combien de... Ça fait combien de temps que je suis en train de jouer vu que le compteur est bugué. C'est pas bien, monsieur Microsoft. Chapitre 3, je crois qu'on a fait 6 missions. Devil May Cry, je crois qu'il y a une vingtaine de missions, donc on en... Peut-être qu'il doit avoir 6 chapitres ou un truc comme ça, 6 x 3, 18. Il y a 3 missions par chapitre. Donc à la base, c'était censé être les mêmes jeux. Bon allez. C'est la folie. Au niveau des munitions. Mais bien sûr, oui, bien sûr. Ah, peut-être que je peux les tuer avec un coup de couteau, les serpents. Genre, quand il y a un serpent, je continue de frapper au couteau, peut-être que ça le tuera. On va faire 2 coups de couteau maintenant. Pour être sûr. On vient d'avoir 36 000 plantes vertes en 2 secondes. C'est pas mal. J'avoue que c'est pas mal. Putain mais... Oh, j'avais pas fait gaffe. Il était là tout à l'heure quand on est rentré. Je l'avais même pas vu quoi. C'est quoi ça? Is that all? Thank you. Tu me fais plaisir. Tu me fais plaisir, le Punisher. Le Blacktail. C'est nouveau ça, le Blacktail. Bon, ça a l'air d'être puissant. Oh tiens, il y a le Magnum. Mais le Magnum... Ah oui, oui, oui. Putain la vache, mais il a quoi là? Oh là là là. Mine slower. Ok, donc c'est un truc pour lancer des mines. Putain, mais c'est... Ça devient un Call of Duty ou quoi là? On va essayer... Oh putain, il y avait même un nouveau fusil, j'avais même pas fait gaffe. Is that old? On va prendre le fusil. On va l'échanger. Puis on va l'échanger. Non, on va pas l'échanger, on va le vendre. Ça serait con quand même de ne pas prendre l'argent du fusil.
le reprendre et on va le vendre. Thank you. What are you selling? What am I selling? I'll buy it at a Thank you. I will buy it at a Je crois qu'on pourrait Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. What are you buying? What are you what buying? What are you buying? What are you buying? Ouais. Ah, il est marrant ce personnage, franchement. Est-ce qu'on prend le magnum? I see you have an eye for things. Gun's not just about shooting. It's about... Et donc le magnum. Tais-toi. Les balles de magnum et les balles de flingue, ça doit être différent, non? Je pense que oui, mais bon. On sait jamais. J'avoue que ça, par contre, j'en ai aucune idée. Parce que bon, si les balles du les balles du magnum sont infinies, c'est vrai que c'est assez fou. On va essayer de pas l'utiliser pour le moment. On va prendre le fusil, tiens, on va s'amuser un petit peu. Non mais c'est clair que là, franchement, quand on voit les armes, ils ont vraiment pris un virage assez... Ok. Un virage très serré. Morir es vivir. Donc mourir et vivre. C'est très profond. Correr, c'est pas courir. Morir es vivir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'espagnol, donc. Morir es vivir. Ahí está. Est-ce qu'ils viennent vers nous? C'est impressionnant. S'ils viennent pas, on va utiliser le flingue. Ça sent pas très bon ça, disons. Ça sent pas très très bon ça. Est-ce qu'on peut l'avoir d'ici? Ça, s'il y avait quelqu'un, je crois que maintenant il est mort. Donc il reste un mec à droite, non? Peut-être pas, je sais pas. J'apprends à viser. Un entraînement. Personne derrière moi, apparemment.
D'accord, donc il faut l'amener dehors pour tirer avec. On va faire la guerre. Donc le switch pour faire monter le canon devrait être en haut. Allons en haut. Ah. Molly lesbibille. Eh, c'est faux ce qu'ils disent. Elle est morte et elle vit pas. Molly lesbibille. Molly lesbibille. Cogedlo, 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 cogedlo. Molly lesbibille. Molly lesbibille. Cogedlo, cogedlo, cogedlo. Molly lesbibille. Molly lesbibille. Cogedlo. Ça va être un petit peu chiant cette zone. Cogedlo, cogedlo. Si on meurt en un coup. Imaginez, là on est en mode facile, on meurt en un coup. Ok. Là c'est bon. J'espère. Et pourquoi les autres tout à l'heure ils tiraient plus? Parce qu'on a tué le mec en rouge. Ça doit être ça. Putain, c'est un petit peu pétouille là. Je pensais pas que l'autre en haut il allait nous tuer en un coup. Ashley n'a pas du tout de point de vie. Ce qui peut nous avoir d'ici. Pas l'impression. Est-ce qu'il y a un autre truc là-bas? Je ne sais pas. Pas l'impression. Oh putain. Comment on fait là? Quelqu'un qui nous a tiré dessus, mais je sais pas du tout où il est. Ça va ? C'est flippant quand même, hein. Parce qu'évidemment là je joue avec un casque et donc on entend vraiment les voix des mecs, c'est un petit peu l'ASMR mais version morbide quoi. Ah mais non, quel con, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû mettre l'herbe jaune avec un truc déjà fait au niveau.
trompé. Enfin, bon, c'est pas grave. On peut quand même l'utiliser, mais c'est vrai que ça aurait été mieux peut-être. Ah, mais ils sont là, eux. La caméra. Bon. J'avoue que j'ai un petit peu peur d'aller chercher les objets. Soit c'est à gauche, soit c'est à droite. À gauche, on l'a eu, il me semble. À droite, par contre, il y a une autre catapulte. Et je pense pas qu'on ait tué le mec. D'accord, donc pour péter la porte, il faut actionner le bouton pour pouvoir faire le monter le canon ici. Et on pourra péter la porte avec. Le problème. Ah, il est là, ouais. C'est super cheville. C'est là où le zoom aurait été mieux. Putain, on l'a eu. On l'a eu. Donc là, le levier. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir péter la porte, j'imagine. Est-ce que le fait d'avoir monté le canon, ça aurait libéré genre un truc, un passage secret en bas? Je pense qu'il n'y a que dans Dark Souls qu'il y a des trucs comme ça, mais bon, on sait jamais. C'était en bas. On sait jamais, hein. Non, y a rien. Mais t'es encore là, toi? Welcome. T'as des trucs de nouveau déjà? Rare things on sale. What are you buying? What am I buying? Non, on va rien acheter. What are you selling? On va peut-être vendre la bague. Is that all? Thank you. Is that all? Et donc du coup, on devrait pouvoir acheter. Bon, le flingue, on va le garder. Soit on prend le rifle. Ben, on prend le rifle, en fait. Is that all? C'est quoi les 10 balles? Ah, c'est peut-être le rifle. Un problème. C'est quoi ça? Bon, on va regarder après, ça apparaît pas. Ah merde. Le jeu de rangement Resident Evil. Non. Attendez, est-ce que ça passe là? Then come back. Come back anytime.
C'est ça qu'il dit, je crois. On va en faire un gros. Voilà. Ça prendra moins de place comme ça. C'était pas forcément très utile, mais... Ah merde, c'est vrai que c'est comme ça. Bon bah voilà. Ça marche plutôt bien. Et du coup, ça c'est quoi? Rifle, ah c'est ça, c'est... rifle, ok. Bon. On va le garder pour plus tard, parce que bon, on sait jamais. Leon, where's your current location? We decided to lay low in a castle, but it looks like it was a bad move. Meaning? Well, it appears that this castle's also connected with the Los Illuminados. They must not get many visitors here, because they're giving me one hell of a welcome. Sounds bad. I have an idea, Leon. I need you to... What? Repeat, Hunnigan. Great. Just my luck. Ouais, on va avoir une épée. C'est Alistar. Ok. Donc il va falloir trouver un endroit où mettre l'épée. Si on remet l'épée directe, j'imagine que ça va rien faire. Ouais. Aucune idée. On verra bien. Hein. Elle a la tête d'un mec quand même dans les mains. Vous aussi, vous voulez aller en Espagne? C'est un très bel endroit à visiter, l'Espagne. Je vous conseille vivement. Ah! Putain, on dirait Kratos. Kratos est parmi nous, les amis. Ah, ils sont pas mal. Qu'est-ce qu'il fout l'autre? Pas spécial quand même. J'espère qu'il pop pas à l'infini quand même. C'est calmé, on dirait, donc... Ah, une plante rouge. Pile ce qu'il nous fallait. Du coup, hop. On va pouvoir se construire un petit remède. On va l'utiliser pour nous. Parce qu'on est des égoïstes. Oh putain, mais... What? Attendez. Il y avait une plante, elle vient de disparaître. Abusé. Donc là on va mettre l'eau, l'argent, et en bas on va mettre l'or. Oh, il s'est caché. Vache, c'est résistant. Ah
enfin. Il n'y a plus cette musique abominable. Ok. Il y a une porte qui vient d'apparaître. Où ça? Ah, peut-être là, ouais. À mon avis, c'est là. Bon, je crois qu'on n'a rien oublié. Donc, on va avancer. Leon, I've got something for you guys. What? Oh shit! I must have dropped it when I was running away from them. Dropped what? A drug that'll stop your convulsions. Look, I know you're carriers. You've been coughing up blood, right? Le médicament. Yeah. And you. Yes. Damn it! The eggs have hatched. We don't have much time. What are you talking about? I have to go back and get it. Let me come with you. No. You stay here with Leon. He's better with the ladies. I'm sure. Why are you... It makes me feel better. Let's just leave it at that. Okay. Bon. D'accord, maintenant la porte est fermée, ok. Donc soit on va là, soit on va à la grosse porte. Attendez. Attendez. Ça c'est la porte où on est. Et l'autre porte elle est là-bas. Peut-être que je me repère. Ok. Donc ça, c'est apparemment c'est là où il y a le marchand. C'est ça? Mais non, mais c'est là d'où on vient, ça. Je suis paumé, là. Ah bah oui, c'est là d'où on vient. Non, c'est là, en fait. Il y a une porte droit devant nous et une porte à droite. Ok, ça doit être fermé. Ah oui, c'est ce qu'on venait de faire. Je suis con. Je perds la tête. Les gens bizarres parfois. I was starting to wonder when you might notice us. Who are you? Me llamo Ramón Salazar. The eighth castellan of this magnificent architecture. I have been honored with a prodigious power from the great Lord Saddler. I've been expecting you, my brethren. No thanks. Mais c'est les sites, c'est ça? My, we've got a feisty one. If you care for your own well-being, I suggest you surrender yourself and simply become our hostage. Or Mr. Scott, you can give us the girl, because you're not worth a penny, I'm afraid. You can die. I'm never turning into one of them. Never! Got that right. We'll find a cure. Okay. Nous allons trouver un médicament. Grâce à Louis. Ah, c'est vrai que ça fait très site. De Star Wars. Déjà que les autres là avec leur capuchon, ça fait l'empereur de Star Wars. Les cristaux. Boss. Oula. D'accord, donc il va falloir trouver les parties.
est partie de la sculpture, apparemment. Juste deux secondes. Voyez, 8h04, ça doit faire 40 minutes, je crois. Je sais pas, je pense que ça doit faire 40 minutes. C'est chiant que le temps n'apparaisse pas, quoi. Ça, c'est vraiment chiant. Du coup, on peut pas voir du tout où on en est. On va voir, non, tu ne peux pas t'ouvrir, ok. Munitions posées sur la chaise. Ok, les chaises, un vase. Des PC et tasses. Pas sûr que ça serve à grand chose de brûler tout. Ok, donc ils sont en train de chercher Louis. Ils ont découvert que Louis était rentré dans le château. Et que nous aussi d'ailleurs, mais il faut d'abord s'occuper de Louis. Parce qu'évidemment, vu que Louis a le vaccin, voilà. C'est Ramon. Ramon Salazar qui parle. J'ai encore une herbe jaune. C'est qu'ils sont généreux, dis donc. On l'utilisera plus tard. Ok, donc on a la clé. J'imagine qu'il va falloir éteindre les deux têtes de cheval. C'est pas les têtes de tigre, c'est les têtes de cheval. Ça, ça vieillit quand même. C'est-à-dire qu'il n'utilise pas la clé alors qu'on vient de la choper et que forcément c'est là. Putain, c'est bizarre le bruit sur l'escalier. Hein. J'ai l'impression qu'il y a toute la famille qui est en train de descendre. C'est assez marrant. Ok, donc on peut faire sonner les cloches si on frappe, enfin si on tire avec notre flingue. Mais...
d'abord, faut tirer dans son dos, ok. Ça va être chaud quand même. Voilà. Ouais. Eh ben dis donc. Putain ouais, quand je vois des mobs pareils et que bon, ça va parce qu'on est en facile, je me dis en mode normal, ça doit être chaud. Ça doit être super chaud. Ouais, j'avoue que là... No dejas que escape de la isla vivo. Morirás vivir. Muere, muere. Ah, il a pété. Même pas mal de balles de pistolet. Hein. Donc si on améliore bien le flingue. Ah oh. Oh. C'est très spécial. Hein. C'est assez, assez spécial. Hein. Je pensais pas que c'était à ce point-là quand même. J'avoue que bon. Je savais que Resident Evil 4 était en Resident Evil avec beaucoup d'action. Je pensais pas que c'était à ce point-là. Ouais, c'est vraiment. J'ai l'impression que c'est un remix, ou un mix. Bon, bien sûr, à l'époque, il n'existait pas encore, hein, mais de Resident Evil 5, voire même le 6, quoi. Même, je veux dire, le 6, c'est vrai qu'il y a des phases comme ça avec beaucoup d'action et tout. Je veux dire, voilà, c'est... Enfin, on y est, là, c'est la même chose. Mais regardez ça, quoi, le nombre d'ennemis. C'est fou! C'est fou quoi le nom de l'ennemi.
sont pas morts encore. Bon. De toute façon, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Je pense que ça doit faire une heure, je suis pas sûr, mais... Vu que ça buguait en plus, je sais pas trop comment ça va marcher. Mais bon. C'est bon. Spécial. Très spécial même. Pas unanime, mais très très dur, ça pour le coup. Ah. Ils ont repop. Comme le grand pop. Ça aurait utilisé ça, pour lui. Il y a un zoom direct. C'est bien ça. Même si bon, là on s'en fout. Pas mort. Salaud. Ils m'ont fait utiliser les balles pour rien. Putain, mes abus. Ils sont combien? Franchement, les mecs. On s'en fout. C'est pas grave, on est full en plante verte. Il y avait d'autres trucs à ramasser. Une mission. Je sais pas si on a besoin de mission. Si. De l'argent. Enfin, l'argent, on en a toujours besoin. Ah putain, la musique. C'est horrible. J'ai coupé le son, quoi. Mon dieu. Mais putain, arrêtez de me placer dans l'autre sens. Allez, vas-y. Achille. Allez, ok. Faut faire ça de l'autre côté ou... Elle est où? Elle est où? Hein? Attendez, elle est où? Non!
On vient de la tuer. On lui a tiré une balle dans la tête. Ah là 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 là. Bon. On reprend d'ici, d'accord. Bon, allez. On va juste finir cette zone, parce qu'après on dirait qu'il y a un point de sauvegarde. On va faire ça. Puis on verra après. Ah, et c'était rapide. Allez, hop, 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 hop. Ah, je t'ai vu, toi. Le pointeur. Hudson, il a dit. Ça. Dark Maul est parmi nous. On se rend compte vraiment que Resident Evil 5 et le 4, ils sont vraiment, mais ils se ressemblent énormément, quoi. En tant que mec qui a fait Resident Evil 5, je m'en souviens, bon, un petit peu, parce que bon, le 2, c'est les deux seuls que j'ai fait, mais le 2, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait que je m'en souviens pas. Mais c'est vrai que là, ouais, là, quand on joue au 4, le 5, c'est une copie du 4, quoi. Le vendeur. Hein ? Une grenade ? On s'en fout. Bon, ça doit faire une heure. Donc on va s'arrêter ici. Bon. J'avoue que je pensais que ça serait un petit peu plus palpitant quand même. Enfin, au niveau du comment dire, du jeu en général. C'est vrai que ça ressemble beaucoup au 5, malheureusement. Ouais, je. Peut-être que si j'avais connu le jeu à l'époque, surtout ouais, sur GameCube. Et évidemment, bah voilà, Resident Evil 5 n'existait pas encore. Peut-être que j'aurais aimé le jeu. Je me serais dit c'est une révolution, mais là c'est vrai que en l'état des choses, c'est difficile quand même. J'avoue que c'est assez difficile. Donc bon, on verra quand on va continuer, mais c'est. Ouais. C'est pas un mauvais jeu, mais ouais. Je pense qu'on peut faire mieux. Enfin, on pouvait faire mieux à l'époque. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye tout le monde.